الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Nous poursuivons avec bien sûr le résumé de la biographie du prophète عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Et lors de mon dernier cours, je me suis arrêté avec ou à l'émigration du prophète عليه الصلاة والسلام de Mecca vers Médine. Et on avait parlé brièvement de cette émigration et on avait rappelé que le prophète alayhi salatu wassalam, comme fi sahihain rapporté par al-Bukhari ou Muslim, a eu une révélation quelque part à travers un rêve et il a dit ra'aytu fil manami anni uhajiru min makkah ila ardin biha nakhl. J'ai vu en rêve que je faisais l'émigration de la Mecque vers une terre pleine de palmiers. Et la terre pleine de palmiers, c'est bien sûr Médine, car Médine est une terre ici pleine de palmiers, comme vous avez pu vous en rendre compte si vous vous êtes rendu à Médine. Alors le prophète alayhi salatu wassalam a reçu quelque part cette bonne nouvelle de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils étaient persécutés, torturés, séquestrés à la Mecque. Alors il faut prendre en considération que les musulmans et à leur tête le prophète alayhi salatu wassalam avec les sahaba radiyallahu anhum wa ardahum sont restés une dizaine d'années à la Mecque. Pendant 10 ans, ils ont été persécutés moralement, psychologiquement et physiquement. Et pendant une dizaine d'années, ils ont patienté, ils ont enduré avant que le prophète alayhi salatu wassalam ait l'ordre d'émigrer de la Mecque à Médine. Donc ça ne s'est pas fait ici simplement après une année ou 2 années ou 3 années de persécution, mais une dizaine d'années. Et avec cela... les compagnons n'ont pas désespéré et ne se sont pas dit, c'est quand même bizarre, un homme qui vient en prétendant que c'est un messager de Dieu, en prétendant qu'il a la visite de l'ange Gabriel, alors que nous sommes séquestrés, persécutés, torturés, jusqu'à ce que des compagnons sont morts et leurs parents sont morts. Et parmi les premiers martyrs, la première martyre en islam, Soumeya, qui est morte devant son fils, et avec cela, ce prophète-là nous apporte toujours pas un miracle afin que Dieu nous secoure. Non, ils ont patienté et ils ont eu pleine confiance en Dieu à travers le prophète Mohammed, alayhi afdalus salat wa askat taslim. Donc, ils ont eu l'ordre de faire al-hijra. Et ils ont fait l'hijra de la Mecque à Médine et par petits groupes. Et le prophète lui-même a fait l'émigration avec Abu Bakr radiyallahu anhu warda. Et on avait rappelé ça lors du dernier cours jusqu'à ce qu'ils se sont retrouvés dans la grotte. Et Abu Bakr a dit, ya Rasulallah, il suffit que l'un d'eux baisse la tête afin qu'il nous aperçoive. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a remonté le moral à Abu Bakr et a rappelé à l'ensemble de la communauté que la vraie confiance en Allah azza wa jal, c'est quand on sent que toutes les portes se ferment, c'est là où Allah azza wa jal t'éprouve. Et c'est Allah où Allah subhanahu wa ta'ala veut voir est-ce que tu as vraiment confiance en lui ou pas. Est-ce que tu as vraiment concrétisé at-tawhid ou pas? Et quand toutes les portes se ferment, c'est une preuve que la porte de la délivrance va bientôt s'ouvrir. Et le prophète a dit, ya Abu Bakr, ma dhannuka bithnayn, Allahu thalithahuma la tahzan, inna Allaha ma'ana. Oh Abu Bakr, que dis-tu de deux? On est deux dans la grotte, mais que dis-tu de deux dont le troisième est Allah? La tahzan, ne t'afflige pas, Allah Jalla wa Ala est avec nous et Allah Azza wa Jalla les a déroutés. Et ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam a continué la route avec Abu Bakr radiyallahu anhu arda et le guide jusqu'à Médine. Alors, avant d'arriver à Médine, il faut savoir que les gens qu'il avait déjà préparés, car le prophète alayhi salatu wassalam avait déjà préparé les gens à Médine, il n'est pas parti dans une terre ici sans savoir où il va, sans savoir qui il allait rencontrer et qui allait l'accueillir. Mais il a tout mis en place pendant des années de manière stratégique et intelligente. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam a fait l'émigration et a utilisé le maximum de causes possibles tout en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien le prophète alayhi salatu wassalam savait pertinemment qu'il y avait des gens qui allaient l'accueillir à Médine et que c'était une terre quelque part fertile et qu'il n'allait pas être combattu à Médine comme il a été combattu à la Mecque. Et ça nous donne une leçon. Alors aujourd'hui, on voit des gens qui se lancent à l'aventure un peu n'importe comment et n'importe où. Et combien de gens on a vu? Je me suis rendu dans tel endroit. Pourquoi, mon frère? Pour étudier. Mais as-tu fait les causes? As-tu préparé ton émigration?
As-tu préparé ton voyage? Non, je place ma confiance en Allah. Allah va m'ouvrir les portes. Mais où as-tu vu ça? Le prophète, alayhi salatu wassalam, une dizaine d'années de persécution. Et quand il a fait l'émigration, il a choisi son compagnon, il a choisi sa monture, ils ont préparé leur monture, ils ont choisi le moment où faire l'émigration, et ils ont fait halte avant Médine, et ils ont fait halte, ils ont utilisé plusieurs causes. Et avant de faire l'émigration en utilisant des causes, eh bien, bien avant cela, il avait déjà envoyé des émissaires. Et parmi eux, Mus'ab ibn Umayr, le premier ministre du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, à Médine, afin d'appeler les gens à l'islam et de le renseigner. Il était appelé Al-Muqri. Mus'ab ibn Umayr, quand il était parti à Médine, le récitateur. C'était lors, comme on l'a vu dans les cours précédents, lors des pactes d'allégeance à Al-Aqaba. Le prophète, il a préparé ici les Médinois en envoyant cette tête, ce récitateur Mus'ab ibn Umayr, et il enseignait le Coran aux gens. Donc il y avait une éducation qui avait été déjà faite à Médine. Et les efforts du prophète alayhi salatu wassalam à la Mecque, eh bien, ont porté ici leurs fruits à Médine. Donc, quand tu fais des efforts dans un endroit, n'attends pas automatiquement ou obligatoirement de récolter les fruits dans l'endroit où tu as fait les efforts. Peut-être qu'Allah Jalla wa'ala va ramener le fruit des efforts dans une autre ville ou à des milliers de kilomètres. Allahu a'lam. Toi, sois sincère, fais les causes et ne t'inquiète pas, Dieu s'occupe du reste. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, il les a préparés. Et il n'est pas parti à l'aventure, je ne connais personne, je ne connais rien. Et c'est ce qu'on doit faire aujourd'hui. Tu vas dans une ville, tu veux apprendre la science, ou tu veux faire un projet, même commercial, ou dans la vie d'ici-bas. Ne te lance pas à l'aventure bêtement, je place ma confiance en Allah. Comme on dit souvent, Al-qalbu yatawakkal ala Allah, wal-jawarih ta'mal. Al-qalbu yatawakkal wal-jawarih ta'mal. Le cœur doit toujours placer sa confiance en Allah, et les membres doivent agir, doivent œuvrer. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, a continué sa route. Et les Médinois, Al-Ansar, on les appelle Al-Ansar, ceux qui ont réceptionné Al-Muhajiroun, donc les émigrés. Donc Al-Ansar se préparait à accueillir le prophète. Et quel accueil! Chaque jour, eh bien, ils se déplaçaient, ils sortaient de leur maison, petits, grands, femmes, hommes, dans l'espérance d'apercevoir le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et lorsque le soleil devenait intense, vers le moment du zénith ou au zénith, au moment de Dhuhr, eh bien, il rebroussait chemin et il repartait, en espérant le lendemain voir le prophète alayhi salatu wassalam. Et chaque jour, ainsi, ils attendaient le prophète alayhi afdalu salatu wa askat taslim. Jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, alors que le soleil est devenu très intense, la chaleur est devenue très intense, eh bien, ils ont rebroussé chemin. Et une personne est restée, Yahoudi, un juif, qui vivait à Médine, en paix avec les Ansar. Il est resté et regardé et surveillé, jusqu'à ce qu'il a aperçu le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et là, il a crié fort, « Ya ma'ashar al-Arab, ya ma'ashar al-Arab, ô vous les Arabes, ô vous les Arabes, ja'a Mohammed, ja'a Mohammed, Mohammed est venu, Mohammed est arrivé, votre homme fort est arrivé. » Et là, les femmes, les enfants, les hommes, les vieux, les jeunes, tous sont sortis pour accueillir le prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim, et ils étaient à la périphérie de Médine. Et là, le prophète alayhi salat wa salam s'est rapproché de Médine jusqu'à arriver à un endroit qui s'appelle Quba. Alors Quba, c'est un endroit qui est à la périphérie de Médine, qui n'est pas à Médine, mais qui est à la périphérie de Médine, juste à côté de Médine. Et donc le prophète alayhi salatu wassalam s'est arrêté à Quba. Il a fait une halte. Alors les savants divergent, 9 jours ou 13, 14 jours, à la colline, plusieurs jours. Ici, une dizaine de jours, il s'est arrêté, le prophète alayhi salatu wassalam, à Quba. Et il a décidé d'édifier la première mosquée en islam. Après l'avènement ou après la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, on ne dit pas c'est la première mosquée en islam simplement. Non. Après la prophétie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, après la révélation qu'a eu le prophète alayhi salatu wassalam. Mais si on dit la première mosquée en islam de façon générale, c'est-à-dire dans toute l'histoire, non, ce n'est pas bien sûr Médine, mais c'est la Mecque, ici la Kaaba. Donc le prophète alayhi salatu wassalam s'est arrêté à Quba. Et il s'est arrêté dans la tribu des Bani Amr ibn Auf. Bani Amr ibn Auf. Dans cette tribu-là,
et il a ordonné de construire la première mosquée qui est appelée la mosquée de Quba. Et le prophète alayhi salatu wassalam avait pour habitude de se rendre à Quba le samedi. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé dans un hadith authentique: man tawadda'a fa asbagha al-wudu wa ja'a masjid Quba fa salla fihi rak'atayn kana lahu ajru umrah. Toute personne qui a accompli les ablutions jusqu'aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, incha'Allah ta'ala, toute personne qui accomplit les ablutions et qui se rend à la mosquée de Quba et qui accomplit 2 rak'at aura la récompense d'une umra complète. Et les savants divergent. Est-ce que réitérer 2 rak'at sur 2 rak'at sur 2 rak'at, c'est-à-dire plusieurs fois 2 rak'at, est-ce que cela nous fait multiplier la récompense des umras ou accumuler plusieurs umras? Les savants divergent. Certains savants disent oui, tout simplement parce que le prophète a dit celui qui prie 2 rak'at, il a la récompense de 2 umras, donc plus. Eh bien, c'est plus de récompenses. D'autres ont dit non, le prophète s'est limité à dire 2 rak'at pour une umrah, c'est ce que faisait le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, on n'aura pour chaque visite que la récompense d'une umrah. Wallahu a'lam. À la colline, ce qui est demandé, c'est de faire 2 unités de prière en espérant la récompense d'une umrah quand on accomplit 2 rak'at dans la mosquée de Quba. Alors, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est arrivé à Quba, il ne s'est pas dit c'est bon, le plus dur est passé. Et là, je ne reviens pas de 2 mois d'épreuve, hein. Excusez-moi du terme, mais ce n'est pas les petites épreuves qu'on a, nous, aujourd'hui, qu'a vécu le prophète. C'est 10 années de persécution jusqu'à ce que le prophète ait passé devant Ammar et sa famille, sa mère et son père, qui étaient persécutés, hein, injustement, tout simplement parce qu'ils ont dit « Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, ahadun ahad, il est unique ». Alors ils ont torturé Bilal, ils ont torturé Ammar, ils ont torturé sa mère Soumeya, ils ont torturé son père, ici sous un soleil ardent, jusqu'à ce qu'on a transpercé le ventre de sa mère, on l'a tué. Imaginez les épreuves qu'ils avaient. Et le prophète alayhi salatu wassalam passait devant eux et il disait « Abshirou, réjouissez-vous, imaginez-vous ». Avec cela, ils n'ont pas dit « Mais là, stop, on arrête là ». Ma mère est torturée, moi je suis torturé, il passe devant moi, il dit « Réjouis-toi, je t'annonce la bonne nouvelle ». Il n'a pas dit « Là c'est un fou, là c'est un sorcier, là on arrête ». Mais regardez le raffermissement qu'ils ont eu jusqu'au bout. Regardez la croyance ferme qu'ils ont eu jusqu'au bout. La confiance au prophète Mohammed, l'amour qu'ils ont eu envers le prophète. Comment ils ont purifié leur cœur du moindre doute jusqu'au bout. Ils n'ont pas dit « Oh, le prophète fait encore dua, oh vous toujours dua ». On entend toujours, vous toujours des invocations, dua, dua. Les gens, ils ont des épreuves, vous faites des dua. Prophète, il passe, il y a la mère qui va te tuer. Patientez. Et je vous annonce la bonne nouvelle, le paradis pour vous, oh la famille de Ammar. Le paradis pour vous. Prophète a vécu tout ça 10 années. Et toute la route, ce fut une grande épreuve. Il arrive à Quba, il ne dit pas maintenant ça est stop, khalas, baraka. Eh bien, il dit non, il faut continuer. Il faut édifier une mosquée. Basé sur la piété. Basé sur la piété. Et quand Allah Azza wa Jal parle de la mosquée ou d'une mosquée édifiée sur la piété dans le Coran, il parle de la mosquée qui est la mosquée de Quba. Et certes, une mosquée édifiée, et Dieu la rappelle dans le Coran al-Karim, qui est construite, bâtie sur la sincérité et sur la piété, n'aura pas du tout le même effet sur les serviteurs et le même impact dans la communauté qu'une mosquée bâtie sur la trahison ou l'ostentation ou le mal. Ça, c'est clair. Donc, parmi les causes, attention, je ne dis pas c'est la seule cause, mais parmi les causes, ici, qui fait que ou qui font que ça se passe mal dans une mosquée quelconque, c'est souvent dû au fait que la mosquée a été édifiée non pas sur la piété et sur la sincérité et sur la conformité, mais soit sur des intérêts mondains ou loin de toute conformité avec ce que Allah et son messager alayhi salatu wassalam aiment. Et c'est souvent cela qui provoque des problèmes dans les mosquées. Wallahi, c'est souvent cela. C'est pour cela qu'Allah il met l'accent sur le fait que la mosquée de Quba, c'est une mosquée édifiée, bâtie sur, pas dit bâtie sur un terrain qui a pas, bâtie sur la piété. Et jusqu'aujourd'hui, eh bien, on va à la mosquée Quba. Et regardez l'impact et l'effet qu'a la mosquée Quba par la permission d'Allah Azzawajal sur ses serviteurs. Toute personne qui prie 2 rak'at dans la mosquée de Quba, il a la récompense d'une umra tellement que cette mosquée est bénie. Et le prophète nous a rappelé que même dans les plus difficiles
des épreuves, il pensait à sa communauté. Et il rappelait que la base, c'est la mosquée, Baytullah. Et c'est pour ça que le prophète والسلام, a dit, les demeures les plus aimées auprès d'Allah, Azza wa Jal, c'est les mosquées. Voilà pourquoi le prophète والسلام, nous a rappelé qu'il est important de se rendre dans les mosquées, d'aimer les mosquées et de rester dans les mosquées. Toute personne qui reste dans une mosquée, eh bien, même s'il est assis, il ne prie pas, il a la récompense d'une personne qui est en prière. Et les anges ne cessent d'invoquer Allah Azza wa Jal en sa faveur tant qu'il a les ablutions. Et toute personne qui se rend dans une mosquée, comme Ja'a fi Sahih, afin d'enseigner un bien ou d'apprendre un bien, aura la récompense d'un hajj complet. Quelqu'un qui sort de chez lui, va à la mosquée, il s'assoit. Dans le confort, ce n'est pas comme à l'époque, hein. Sur la terre, à même le sol. Non, avec chauffage au sol, le confort, tranquille. Eh bien, même à notre époque, avec tout ce confort-là, tu vas dans une mosquée pour apprendre une science ou enseigner un bien, tu as la récompense d'un hajj. Celui qui est sorti de chez lui, qui est parti à Arafa, qui est parti à Mina, ceux qui ont fait le hajj savent que c'est quand même éprouvant. Celui qui a été faire à Rami, à Jamarat, celui qui a toute cette récompense, tu as la récompense d'un hajj complet. Parce que tu es parti à la mosquée et parce que tu as voulu enseigner un bien et ou bien apprendre un bien. Allah nous rappelle que les mosquées sont des endroits bénis où les anges y sont présents. Et toute personne qui se réunit dans une mosquée pour apprendre ou enseigner un bien, l'islam, la science de façon générale, et particulièrement le Coran, les versets, la parole d'Allah Azza wa Jal, eh bien la miséricorde d'Allah Azza wa Jal descend sur eux et les anges les encerclent avec leurs ailes. Et Allah pardonne les péchés à tous ses serviteurs présents lors de cette assise-là. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, lorsque vous voyez un jardin parmi les jardins du paradis, prenez-y place, ou prenez place. Je dis à Rasulallah, c'est quoi les jardins du paradis? Quels sont ces jardins du paradis afin qu'on puisse prendre place dans ces jardins du paradis? Il dit, ce sont hilakul ilm, ou hilakul zikr, les rappels, les cercles de science ou d'évocation, et qui se passent et qui se sont toujours passés, en général à la base dans les mosquées. Donc on voit que s'il y a autant de récompenses qui sont gagnées à travers notre assise dans une mosquée, notre présence dans une mosquée, c'est qu'on comprend vraiment que les demeures les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont les mosquées. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam et sahaba utilisaient la mosquée afin d'éduquer la communauté. C'est dans les mosquées qu'ils éduquaient la communauté, qui leur permettaient d'acquérir un bon comportement, une discipline. Voilà pourquoi quand on se rend dans la mosquée, eh bien il est demandé ici de ne pas élever la voix. Il est demandé d'avoir les ablutions. Il est demandé de garder un certain comportement serein. Il est demandé d'aligner les rangs. Il est demandé de suivre l'imam derrière. Il est demandé de ne pas devancer l'imam et de ne pas dépasser l'imam. C'est quoi tout ça? Si ce n'est la discipline. C'est pas de la discipline ça? Quand tu viens à la mosquée, Allah t'éduque. Quand tu viens à la mosquée, est-ce qu'il est recommandé, c'est une sunna de courir en venant à la mosquée? C'est une sunna de courir en venant à la mosquée? C'est pas une sunna de courir en venant à la mosquée. Le prophète alayhi sallam, il nous a interdit de courir en venant à la mosquée. Quand tu viens à la mosquée, tu es en retard. Pendant que tu viens à la mosquée, ici tu es considéré comme étant en prière. Naam. Donc ici, il y a toute une éducation qui est mise en place de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers la mosquée et le fait que les musulmans se déplacent à la mosquée afin d'éduquer la communauté. Et le musulman doit comprendre qu'il doit être discipliné et éduqué à la mosquée et en dehors de la mosquée. Et une communauté sans discipline n'est pas une communauté qui peut réussir. Et c'est ce qu'on envie maintenant aujourd'hui, hein, à des gens qui ne sont pas de confession musulmane, c'est vrai ou pas? Ils sont souvent plus disciplinés malheureusement à notre époque et éduqués quelquefois, je parle d'un point de vue, pas d'un point de vue religieux, hein, mais éduqués que nous quelquefois qui sommes musulmans. Quelquefois on voit des gens qui ne sont pas musulmans qui appliquent des préceptes religieux alors que nous on est musulmans et on délaisse beaucoup de préceptes religieux et entre autres la discipline et la bonne éducation. Pour ça quelquefois dans des pays ou dans des pays non musulmans, c'est rare de voir des gens qui ne respectent pas ne serait-ce qu'une file, d'accord, une file d'attente, d'accord, la queue dans une administration quelconque ou dans un restaurant. Est-ce que c'est rare de voir ça dans des pays musulmans aujourd'hui? Je vous pose la question. C'est rare? La file chez nous dans les pays musulmans, elle est comme ça ou elle est comme ça? Nous, au lieu qu'elle soit comme ça, elle est comme ça. Illa man rahim Allah. C'est quoi ce qu'on... Je comprends. Moi, j'étais encore il y a quelques temps à la Mecque. Je ne comprenais pas, voilà, je regardais, j'ai même filmé.
de derrière. Je dis, je ne comprends pas, la file, elle doit être comme ça ou comme... Pourquoi tout le monde est... On dirait qu'ils vont faire une course, un marathon. Elle doit être comme ça ou comme ça. Donc, c'est qui est devant qui. Ce problème de discipline. Ce problème de discipline cause des dégâts dans la communauté. On manque énormément de discipline. Alors qu'Allah Azza wa Jalla nous rappelle qu'on doit être discipliné. Voilà pourquoi, comme je vous ai dit précédemment, on doit venir à la mosquée à une heure bien prescrite. On doit être derrière un seul guide. On doit suivre le guide dans la prière. On doit être tous alignés. On doit venir en marchant, en étant serein. On ne doit pas élever la voix. On n'a pas le droit de passer au-dessus des épaules des croyants le jour du vendredi afin de prendre sa place. Le prophète alayhi salam était sur le mimbar. Il a vu une personne qui passait au-dessus des épaules des gens pour prendre une place devant. Il lui a dit à Foulan, il l'a blâmé, ce que tu fais est mal, assis-toi. C'est quoi? C'est de l'éducation, c'est de la discipline. Et c'est ce qu'il faut dans la communauté, chez les musulmans et chez l'être humain de façon générale. Les êtres humains doivent être éduqués et doivent avoir de la discipline. Si tu n'as pas de discipline, eh bien, t'étonne pas que tu restes toujours en arrière. Et à une époque, se dire musulman, c'était une fierté. Dire le travail d'arabe, c'était quoi? C'était une fierté. Quand on disait le travail d'arabe, c'était le travail bien fait. Montrer que tu étais musulman, c'était une fierté. À l'époque, 6 de l'Égypte, 7, 8, 9, 10, c'était l'apogée. Ici, chez les Arabes et chez les musulmans, les plus grands savants, les plus grands scientifiques, les plus grands mathématiciens, les plus grands penseurs étaient musulmans. Étaient musulmans. Aujourd'hui, maintenant, on a presque, certains disent, j'ai presque honte de dire que je suis musulman. Et je dis, ah, sois fier de ta religion, mon frère, sois fier de l'islam. Ya ibadallah, faut pas se mentir à soi-même. C'est pas qu'on n'est pas fier de se dire musulman. C'est qu'on sait au fond de nous qu'on a sali le comportement du vrai musulman ou de ce que doit être vraiment l'islam, ce qui fait qu'on n'ose plus dire « je suis musulman » parce qu'on ne reflète pas le vrai islam. Donc ce n'est pas « on a honte de dire « je suis musulman », on a honte de ce qu'on a fait de l'islam. C'est pour ça. Mais si vraiment... on aurait appliqué l'islam. Mais qui aurait honte de dire je suis musulman ou de montrer que tu es musulman? Bien sûr, on doit pas avoir de complexe, on est musulman. Mais le problème, aujourd'hui, on fait plus fuir qu'autre chose. Alors qu'à une époque, les musulmans attiraient plus qu'autre chose. Les musulmans étaient un exemple, étaient un phare. Ils étaient une lumière pour les gens. Et beaucoup d'Occidentaux ont pris... ont puisé des richesses arabo-musulmanes dans toutes les sciences, dans les mathématiques, dans la chimie, dans la médecine, dans la... Ils étaient très avancés. Et ici, ils ont puisé ces richesses-là et les ont mis en application. Ils ont continué. Ils ont continué à évoluer et continué à travailler ces richesses. Nous, malheureusement, on les a abandonnées et on a tout misé dans les appellations, dans quelquefois des détails et quelquefois des apparences physiques. Ça, on a réduit ça, l'islam, à ça. Et tu restes enfermé dans une mosquée, et tu restes toute ta journée. Le type, il commence de 20 ans à la région, il a 70 ans, toujours, « Foulaine, t'es quelle tendance, t'écoutes qui ?» Ouais, les gens, ils ont déjà construit des... pour aller dans la lune ou je sais pas quoi, là. Et toi, t'écoutes qui, t'écoutes pas qui ? Mais on va où ? L'islam, c'est un tout. Et c'est ce qu'avait compris Ibn Rushd, Avicenne, tous les grands savants arabo-musulmans, c'était des savants musulmans. Mais à côté, vous dites à des occidentaux, vous citez leur nom, et vous dites, bien sûr, on connaît Ibn Battuta, tu parles de... T'as des centaines de noms. Ils connaissent, c'était des grands voyageurs, c'était des géographes, c'était des mathématiciens, c'était des physiciens, c'était des médecins, c'était des... Et maintenant, malheureusement, on a abandonné beaucoup, malheureusement, de principes religieux ici qui sont demandés d'être appliqués à toutes les époques. Illa man rahim Allah, malheureusement. En tout cas, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a mis l'accent sur la construction de la mosquée de Quba. Il est resté quelques jours. Et ensuite, il a continué, poursuivi il a terminé plutôt son voyage vers Médine. Alors, ils sont rentrés à Médine, le prophète alayhi salatu wassalam avait sa monture, et tout le monde, bien sûr, voulait l'accueillir. Et il disait, chez moi, ya Rasulallah, chez moi, au messager d'Allah. C'est le prophète. Le prophète qui vient chez, il doit aller chez quelqu'un. En fait, il arrive à Médine, il n'a pas de maison, il n'a rien. Tout le monde dit, viens chez moi, ya Rasulallah. Imaginez-vous, le prophète vient, et peut-être que le prophète alayhi salatu wassalam va venir chez vous. Alors tout le monde, nous, dans la théorie, oh, prophète chez moi, vous savez juste, qu'est-ce qu'on donnerait simplement pour voir pendant une minute, hein, tu vois vraiment comment vivaient les compagnons, tu les vois avec tes yeux,
de manière réelle et le prophète alayhi salatu wassalam à leur tête. Juste une minute, tu le vois le prophète. Qu'est-ce qu'on donnerait? On donnerait tout. Le prophète vient chez toi et dort chez toi et mange chez toi. Dans la théorie, tout le monde. Mais est-ce qu'on est vraiment prêt à accueillir le prophète alayhi salatu wassalam chez nous, sachant que le prophète sallallahu alayhi wassalam va voir comment tu vis, comment tu manges, ce que tu fais vraiment chez toi, le comportement que tu adoptes chez toi. On est vraiment prêt à accueillir le prophète alayhi salatu wassalam chez nous? Wallahu a'lam. À la colline, ils ont tous voulu l'accueillir. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam s'est arrêté chez Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu wa arda, et il a décidé de rester chez lui pendant plusieurs jours. Alors, Abu Ayyub al-Ansari avait un étage, et le prophète alayhi salatu wassalam était au rez-de-chaussée. Et Abu Ayyub al-Ansari est parti à l'étage. Et Abu Ayyub al-Ansari a dit, il se sentait mal. Il dit, ça ne se fait pas de marcher au-dessus du prophète alayhi salatu wassalam. Comment je vais marcher au-dessus? Le prophète, il est en dessous. Regardez le respect qu'avait. Et même aujourd'hui, si on va nous parler de respect, on va dire, attends, moi, le principe, c'est que j'héberge un tel chez moi, il est en bas. Mais regardez le degré d'hospitalité qu'avait déjà. Ça, c'était quelque chose d'inné qu'ils avaient chez eux, les Arabes. Hein, l'hospitalité et le respect. Ici, il dit, moi, je suis au-dessus, il est en dessous, il est bien accueilli, il mange, c'est tout. Même nous, on va dire, il n'y a pas de mal. Non, le fait de marcher et qu'il y a sa tête quelque part en dessous de moi, ça ne se fait pas. Et il n'a pas accepté, il a dit au prophète, Ya Rasulallah, il faut que tu ailles en haut. Le prophète, alayhi sallam, au début, il ne voulait pas, il dit non, ça suffit, il a insisté. Le prophète, alayhi sallam, a habité à l'étage, et Abu Ayyub al-Ansari, donc avec sa famille, il habitait au rez-de-chaussée. Et donc ici, faut savoir que Médine a plusieurs mérites, car c'est la ville qui a accueilli le prophète, alayhi sallam. Alors certains l'appellent la ville illuminée, d'accord ? Al-Madinatul Munawwara, la ville illuminée. Certains savants disent qu'on ne peut pas l'appeler la ville illuminée, tout simplement parce que toute ville où la foi, le respect, la paix, l'iman, l'aqidatu sahiha y est une ville illuminée et ce n'est pas propre à Médine. Et d'autres ont dit non, parce qu'elle a une particularité. C'est la ville qu'a aimé le prophète alayhi salatu wassalam. C'est la ville qui a accueilli le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est dans cette ville que le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Et c'est cette ville qui a énormément de particularités, contrairement à plusieurs autres villes, si ce n'est la quasi-totalité des autres villes dans le monde. Donc on peut dire Al-Madinatu Al-Munawwara, Wallahu A'lam. Parmi ici les bienfaits qu'il y a dans cette ville-là, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man istata'a minkum an yamuta bil madina fal yamut. Que celui qui a les capacités de mourir à Médine, qu'il y meure, car je serai intercesseur pour celui qui va mourir à Médine. Alors ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il faut tout faire pour mourir à Médine, de sorte à se suicider ou je ne sais quoi. Mais c'est une recommandation afin de vivre à Médine et de patienter quant aux préjudices ou aux méfaits qu'on peut rencontrer à Médine afin de mourir dans la ville où le prophète alayhi salatu wassalam est mort. Et il faut savoir que le Messie Ad-Dajjal, l'Antéchrist, aura accès aux quatre coins du monde. Et ça, c'est parmi les grands signes de la fin des temps. Sauf à certains endroits et d'où, et entre autres, Médine et la Mecque. Car à Médine, ou dans la périphérie de Médine, il y a des anges qui surveillent Médine. Et Médine est une ville sacrée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a été interrogé par Anas ibn Malik, radiyallahu anhu wa arda, et il lui a dit, est-ce que Allah a rendu sacré Médine? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit oui, de tel endroit à tel endroit. Et il dit alayhi salatu wassalam, quiconque commet un péché ou une turpitude, quelque chose de mal, quelque chose de mauvais à Médine, eh bien il rappela que cela est très grave. Et quiconque y commet un péché ou une turpitude encourra la malédiction d'Allah azza wa jal, des anges et de l'ensemble des hommes. Le fait de commettre un péché à Médine, ce n'est pas comme le fait de commettre un péché en dehors de Médine. Donc on sait que dans Médine ou bien à la Mecque, les actions sont multipliées de manière qualitative et quantitative. D'accord ? Il y a une action à Médine est meilleure, premièrement, donc de manière qualitative, et quantitative, elle est multipliée. On a plus de récompenses. Par contre, un méfait accompli à Médine ou bien à la Mecque, eh bien, le péché est plus grave. Donc, on parle de la qualité du péché. Donc, il est plus grave, mais il n'est pas multiplié.
وهذا من رحمة الله عز وجل. Et ça, c'est une miséricorde de la part d'Allah عز وجل. Donc, il considère Allah تبارك وتعالى que l'action est meilleure et il la multiplie à Médine et à la Mecque. Mais par contre, si tu fais un péché, il est plus grave que si tu l'avais commis en dehors de Médine ou la Mecque. Mais par contre, le péché n'est pas multiplié. Et parmi les bienfaits, vous savez que ici, une prière accomplie dans la mosquée du prophète عليه الصلاة والسلام à Médine, eh bien, cela te donne la récompense de 1000 prières. Contrairement à la Mecque, la récompense est de 100 000 prières. Donc, le prophète عليه الصلاة والسلام a trouvé celui qui allait l'héberger. Et le prophète عليه الصلاة والسلام a dit aux compagnons, laissez ma chamelle marcher. Et elle s'arrêtera où Allah tabaraka wa ta'ala aura décidé qu'elle s'arrête. Et la chamelle du prophète عليه الصلاة والسلام, guidée par Allah tabaraka wa ta'ala, s'est déplacée jusqu'à ce qu'elle s'est arrêtée à un endroit. Et à cet endroit-là, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, c'est ici qu'on va construire la mosquée. Et là, c'est la mosquée qui est appelée la mosquée du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام, qui est à Médine, qui à la base mesurait approximativement 45 mètres carrés. 45 mètres carrés. Je ne sais pas si vous imaginez c'est quoi 45 mètres carrés. Alors, vous voyez à peu près que la pièce du rez-de-chaussée ici, ça mesure à peu près 350 mètres carrés. Donc, imaginez-vous 45 mètres carrés, de là a jailli la lumière. De là a jailli la lumière. De là ont été éduqués les plus grands des hommes. Ils n'ont pas cherché à avoir une mosquée de 1000 mètres carrés tout de suite ou de la qualité avant la quantité. 45 mètres carrés au début. Et elle servait à accueillir les pauvres, les nécessiteux, les indigents, les voyageurs, à transmettre la science, à apprendre la science. Il y avait Ahlou Soufa qui était à Médine, c'était les pauvres de Médine qui restaient dans cette mosquée-là. On les appelle Ahlou Soufa ici de par l'habit qu'ils avaient fait de souf, ici de laine, parce que c'était des gens qui n'avaient pas d'argent pour avoir des habits faits autrement que de laine. Voilà pourquoi on les appelle Ahlou Soufa. Et cette mosquée-là était une mosquée très vivante. Et c'est comme ça que doivent être les mosquées aujourd'hui, des mosquées vivantes. On apprend le Coran, où on enseigne le Coran, où on enseigne les bonnes manières, l'éducation, la discipline, le bon comportement, les bonnes moralités, afin d'être des lumières lorsqu'on sort des mosquées, des gens éduqués et disciplinés. C'est pas tu viens, tu gardes ta voiture presque sur le toit de la mosquée, après tu rentres dans la mosquée, oh mashallah, et tu sors, tu reprends ta voiture sous le toit de la mosquée. C'est une image, mais pour vous montrer un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ou alors dès que tu as accroché ton kamis, si tu sors de la mosquée, tu as presque accroché toute ta foi. La mosquée, c'est un endroit où tu dois être éduqué. Et tu sors et tu pars avec cette éducation, tu es porteur de cette éducation et tu es quelque part un ambassadeur quand tu sors de la mosquée. Alors, il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam a acheté le terrain à deux orphelins. Et les deux orphelins à qui appartenait le terrain ont décidé, eh bien, vous imaginez la récompense. Ils ont dit, nous, on la donne, fils Abilillah. Le prophète alayhi salatu wassalam a refusé. Et il a insisté afin qu'ils puissent acheter cette terre-là. Vous voyez toute la différence entre le fait d'acheter toi-même cette terre-là et le fait d'hériter quelque part de cette terre-là. Le prophète, il a insisté afin qu'il achète cette terre-là. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas pareil. Le fait qu'on te mette à disposition un terrain et que tu achètes ce terrain-là, avoir possession d'une chose, c'est toujours meilleur. Possession entre guillemets, on se comprend. Le prophète a insisté et il a décidé ici pour la payer. Et il l'a payé et ensuite, il a édifié cette mosquée-là. Alors, il faut savoir que, ici une petite faïda, les Arabes, parce que là, on parle toujours... On parle de l'immigration là. Et avant l'immigration, on parlait de 2 ans après la prophétie, 3 ans après la prophétie ou la révélation, 4 ans, 5 ans. Mais là, on arrive à l'immigration. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'immigration, il faut savoir que ça a été la date repère du calendrier égyrien, du calendrier musulman. Les Arabes à l'époque, ils se basaient sur le calendrier, ils basaient leur calendrier sur des événements qui avaient lieu. L'année où il y a eu telle chose, l'année où il y a eu telle chose. Et ils avaient basé leur calendrier sur l'année de l'éléphant. Amul fil. Vous avez dû voir cela, on avait rappelé cela dans les précédents cours. L'année où ils se sont déplacés avec une dizaine d'éléphants pour détruire la Kaaba. Et Allah tabaraka wa ta'ala arsala alayhim tayran ababil.
D'accord ? Il leur a envoyé des oiseaux avec des petites pierres qui ont ici détruit leur stratagème quelque part. Donc ils se basaient sur cette année-là, l'année de l'éléphant. C'était le repère. Et ensuite, les Romains, il faut savoir que les Romains, à partir de la fondation de Rome, le repère des Romains, c'était la fondation de Rome. Les chrétiens, c'était la naissance de Jésus, Isa alayhi salam. Et les musulmans, ils ont établi un calendrier après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. C'était pas lors du vivant du prophète, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont commencé à diverger. Ils nous font un calendrier. Comment on va se repérer? Ça va être quoi l'an de départ du calendrier des musulmans? Et ici, après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, simplement à l'époque du calife Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa arda, eh bien, la période de référence proposée fut l'égir. Donc l'égir du prophète alayhi salatu wassalam avec Abu Bakr et le guide vers Médine. Donc ça a été là la référence. Voilà pourquoi ici, aujourd'hui, dans le calendrier égirien, on n'est pas en 2018, d'accord ? Mais on est encore en 15e siècle, on est en 1439, d'accord, aujourd'hui. Donc, voilà tout simplement l'explication. Alors, le calendrier musulman est un calendrier lunaire, contrairement au calendrier grégorien. Donc, la référence pour les musulmans, c'est la lune, l'apparition de la nouvelle lune qui va indiquer l'entrée du nouveau mois. Cette référence à la lune est une prescription divine révélée dans le Coran. Allah l'a révélée dans le Coran al-Karim. Voilà pourquoi beaucoup dans la tradition, on va dire, dans les coutumes, eh bien, ont instauré quelque part le symbole des musulmans, mais ce n'est pas vraiment le symbole des musulmans, c'est plus d'un point de vue historique, culturel, on va dire, si on veut, mais ce n'est pas vraiment le symbole du musulman. On pourrait dire que le symbole du musulman, c'est plus le palmier, car le prophète alayhi salatu wassalam a dit il y a un arbre qui ressemble au palmier. Il y a un arbre qui ressemble aux musulmans. Et là, les compagnons commencent à diverger. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu an Abi a dit wallahi, je savais de quel arbre parlait le prophète alayhi salatu wassalam. Mais par respect, par pudeur, je n'ai pas voulu répondre. Parce qu'Abdullah ibn Umar, c'était quelqu'un de très jeune. Quand on entend parler d'Ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, on a l'impression que c'est des gens de 40 ans, 35 ans. C'est des gens de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Et donc ici, il dit par respect, parce qu'il y avait des personnes plus âgées qui étaient présentes. Je n'ai pas voulu répondre. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, c'était quoi cet arbre qui ressemble aux musulmans? Et il dit, c'est le palmier. D'accord? Et il y a plusieurs ressemblances ici entre le palmier et le vrai musulman. Normalement, le musulman. D'accord, sachant que le palmier donne des dates et des dates qui sont revivifiantes pour le corps eh bien, de l'être humain, comme doit être le musulman, doit apporter une énergie positive pour les gens de façon générale et être revivifiant, quelqu'un de fort, quelqu'un de vivace, quelqu'un de etc. Le palmier de son vivant comme de au moment de sa mort, après qu'il soit abattu, il reste bénéfique, comme le musulman doit l'être normalement lors de ton vivant. Khayrun nas anfa'uhum linnas, les meilleurs de gens, ce sont ceux qui sont le plus bénéfique pour les gens, et après ta mort, eh bien, tu dois laisser des fruits derrière toi dont les gens profitent encore, comme le palmier. Quand il est vivant, eh bien, on profite de ses dates et on profite de ses feuilles de palmier. Et quand il est mort, eh bien, on profite eh bien, de son tronc, comme du cœur du palmier, etc., etc. D'accord ? Mais ici, comme je vous ai dit, certains ont pris comme référence le croissant lunaire. Par rapport à quoi ? Par rapport au calendrier lunaire. Et c'est ce qu'on voit en général. Au haut, dans le haut des minarets, dans certains minarets, on voit un croissant. Alors certains, vous savez très bien qu'ils sont tellement dans un délire du complot et de, comment on appelle ça, complot et, on appelle ça encore, la franc-maçonnerie, la franc-maçonnerie elle existe, mais les Illuminati ou je ne sais quoi, bref, je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses bizarres qui se passent, hein, et des complots quelquefois, mais de là à faire de ma vie un complot, tout et un complot, et dès qu'il y a un mauvais comportement venant par exemple d'un musulman, ouais mais c'est un complot, dès qu'il y a quelque chose qui se passe chez un musulman, on accuse un musulman d'avoir fait quelque chose, même si c'est vrai, non c'est un complot, tout est un complot. Alors des gens sont partis même dire, vous avez vu que même le croissant qu'il y a au-dessus des minarets à la Mecque, il n'est pas comme ça, mais il est incliné, et regardez c'est pas le croissant, c'est les cornes du diable, alors que la lune et le croissant lunaire n'apparaissent pas de la même manière dans les quatre coins du monde. Quand tu vas à la Mecque ou à Médine, le croissant lunaire, il n'apparaît pas comme ça, il apparaît comme ça.
Donc c'est pour ça qu'ils ont représenté tout simplement le croissant lunaire comme ça. Ce n'est pas les cornes du diable. Mais bon, à la colline. Donc ici, c'est pour cela qu'on voit souvent eh bien, ce croissant qui désigne eh bien, ici le croissant lunaire. C'est devenu quelque part un symbole chez les Arabes ou les musulmans. Alors, un mois lunaire dans le calendrier musulman varie de 28 à 30 jours. Voilà pourquoi il est important que dans les choses religieuses, dans les calculs, je vais dire religieux, comme az-zakah, l'aumône légale, ou bien les périodes de viduité, etc., etc., on se réfère au calendrier égyrien. D'accord, il n'y a pas de mal hein, de vivre avec le calendrier grégorien, d'autant plus que nous sommes dans des pays européens, en France, donc voilà, on est français, on vit en France, tu ne vas pas aller faire tout ton emploi du temps par rapport au calendrier grégorien. Tu vas prendre le calendrier grégorien normal. Mais moi, je parle dans des questions qui ont une relation avec l'ibadat, avec les actes d'adoration, comme l'impôt qui s'appelle zakat, le calcul de zakat, quand je le donne, etc. Tout ça, la référence, c'est quoi? À la base, c'est le calendrier égyrien lunaire. Donc, il est mieux de se référer au calendrier lunaire. Donc, ici, le calendrier musulman varie de 28 à 30 jours. Et cette distinction est particulièrement remarquée durant le mois de Ramadan, où la vision de la lune détermine le début et la fin du jeûne. Chaque mois démarre au moment où le premier croissant de lune est visible. Dès qu'on voit le premier croissant de lune, le mois commence. Alors le calendrier égyrien, c'est Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal, Wathani, Rabi' al-Thani. Pareil, Jumad al-Awwal, Jumad al-Thani, Rajab, Sha'ban, Ramadan, Shawwal, qui vient tout de suite après Ramadan, Zul-Qi'da et Zul-Hijja, période du pèlerinage Zul-Hijja. Donc ça, voilà la référence et quand a commencé la référence pour le calendrier égyrien dans l'histoire des musulmans. Donc c'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a mis en place la construction de la mosquée, première étape. Deuxième étape, alors les mosquées, aujourd'hui, il y en a plein. Mais le problème, ce n'est pas les mosquées, c'est qu'est-ce qui se passe dans les mosquées? C'est la paix ou c'est la guerre? Certaines mosquées, c'est la paix, walillah, ilham, et d'autres, c'est la guerre, malheureusement. Et on en a entendu des vertes et des pas mûres. Malheureusement, des gens qui se disputent, qui se battent même dans des mosquées, certains, juste pourquoi? Pour être président ou je ne sais quoi. Donc, je ne pense pas que c'est comme ça qu'il y aura la bénédiction dans une mosquée à tel point que cette mosquée va être bénéfique pour les musulmans dans la ville et même partout dans le monde. Alors, ici, il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, la chose qu'il a mise en place, c'est quoi? Al-Ikha. C'est la fraternité entre les musulmans. Donc, il a construit la mosquée. Il a dit, maintenant, stop. La mosquée, là, la base est là. Mais maintenant, il faut éduquer et mettre en place la fraternisation entre les gens qui vont peupler les mosquées. Parce que sinon, ça ne sert presque à rien. Et ici, il a demandé et recommandé aux Ansar, ceux qui ont réceptionné les exilés, ceux qui ont fait Al-Muhajirun de l'exil, de partager avec eux. Ils sont arrivés, ils n'avaient rien. C'était le Hijra. Ils ont tout partagé en deux. Tout. Leurs biens, khalas, je prends la moitié, tu prends la moitié. Mes terres, tu prends la moitié, je prends la moitié. Et ils ont tout partagé en deux. Alors, arriver à ce niveau-là, ce stade-là, surtout à notre époque où la jalousie a mangé, dévoré, détérioré, exterminé la communauté, c'est que vraiment, ils étaient arrivés à un stade et qu'aujourd'hui, on est très, très loin. Ils ont tout partagé. Imagine, toi, tu as construit des choses pendant des années et des années, tu reçois des étrangers chez toi, et en plus de cela, tu dois les accueillir, mais tout partager avec eux. Vous imaginez? Regardez juste nous, je parle d'un point de vue humain, juste d'un point de vue humain, quand on parle de réceptionner dans des pays, alors bien sûr, je n'ai pas les tenants et les aboutissants, je vais parler d'une manière assez simpliste, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses, etc. Mais quand même, pour vous montrer un peu l'état des êtres humains aujourd'hui, réceptionner des migrants qui viennent des pays où ils sont, par exemple, opprimés, où ils sont au bord de la mort, eux et leurs enfants. Regardez quelquefois les réactions qu'il y a chez les êtres humains. Ils sont prêts à les laisser mourir dans la mer ou prêts à... Alors je ne dis pas qu'on peut tout le temps, on ne peut pas, je ne rentre pas dans les détails, je n'ai pas les tenants les aboutissants. Mais d'entendre des gens qui réagissent avec des paroles telles, ils n'ont qu'à mourir et on n'a pas besoin d'eux, sans prendre en considération ce que vivent ces gens-là,
Alors tu te dis, c'est pas eux qui vont les réceptionner et après leur dire, bah tiens, mon compte en banque attend, je partage tout, la moitié avec toi. Pour nous, là, c'est, c'est de la science-fiction. Ben, eux, ils ont fait cela. On vous réceptionne, on est des vrais frères, dans le vrai sens du terme, on partage tout. Tout, tous nos biens, nos terres, nos, ce qui est à moi et à toi. Donc ils ne partent pas à zéro. Donc ça y est, le prophète les a éprouvés. Vous êtes arrivés à ce niveau-là. Là, à ce moment-là, seulement à ce moment-là, on peut vraiment construire quelque chose. Là, on peut dire, bismillah, on peut aller de l'avant. Là, on peut commencer. Tu peux commencer. Sans ça, tu ne peux pas commencer. Donc nous, on a commencé à faire quoi, nous ? On n'a même pas commencé, on a commencé à quoi ? On veut montrer le bon exemple aux musulmans, aux non-musulmans, transmettre la bonne parole entre nous, les uns envers les autres, avec comportement bien. On n'a même pas commencé. On se déteste. Illa ma rahim Allah. Il y a beaucoup de musulmans, ils se haïssent. Un foulain, il prie là, l'autre, il prie à côté de lui, ils collent leurs pieds, parce qu'il faut bien coller les pieds, mais par contre, les cœurs, ils sont loin. Sépare tes pieds, ça ne sert à rien. Et ça, c'est le problème qu'on a dans la communauté aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Mais pourquoi on en est là ? À Uhud, lors de l'expédition, la bataille de Uhud, la rencontre de Uhud, comme on le verra, eh bien, les musulmans, lorsqu'ils ont désobéi au prophète, alayhi salatu wassalam, ils ont dit, « Qultum anna hadha ». Ils ont dit, « Pourquoi cela ? Comment ça se fait qu'il nous arrive cela ? Pourquoi ce retour de situation, ou le fait qu'on avait le dessus sur les ennemis qui voulaient nous opprimer, nous tuer, nous... et d'un coup, voilà qu'on se retrouve eh bien, pris en sandwich, comme on le verra, et voilà qu'on part vers une certaine défaite quelque part. Et ils ont dit, pourquoi cela ? Allah leur a répondu dans le Coran al-Karim, « قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ » Comment ça vous posez la question, pourquoi cela ? Et ça, c'est de votre faute. Allah, il est capable de tout. Allah leur dit, si j'avais voulu, vous aurez eu le secours. Mais c'est de votre faute. Donc, quand on voit l'état dans lequel on est, malheureusement, le fait qu'on fait plus fuir qu'autre chose, le fait qu'on n'attire plus, je ne parle même pas des non-musulmans, je parle simplement entre nous déjà, on se fait fuir les uns envers les autres, ça, c'est de notre faute à nous. Ça, c'est de notre faute à nous. On n'a pas respecté les priorités et compris que la fraternité avait une place essentielle dans la vie du musulman et dans la communauté musulmane. Et on est des frères en Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu aimes Allah, j'aime Allah. On s'aime en Allah, azza wa jalla, à ce degré de fraternité qui est intense et qui rapporte beaucoup jusqu'à ce que le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit qu'au jour de la résurrection, comme a fait Sahih Muslim, les gens seront sur des passerelles de lumière. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, les prophètes diront, mais qui sont ces gens-là ? Et Allah, jalla wa ala, dira, ce sont celles et ceux qui se sont aimés pour moi, qui ont eu ce degré de fraternité en moi. Alors dans le Bukhari, Abdurrahman ibn Auf a été reçu par Sa'd ibn Rabi' qui a tout partagé avec lui. Et à Médine fut instauré, quand ils ont été à Médine, Allah Jalla wa Ala a légiféré, quand ils étaient à Médine, c'est simplement à Médine, hein, Al-Adhan, l'appel à la prière, c'est là où l'appel à la prière a été légiféré et institué, c'était quand ils étaient à Médine. As-Siyam, le jeûne obligatoire, parce qu'avant, il faut savoir qu'au début, hein, le jeûne n'était pas obligatoire. Celui qui voulait jeûner, celui qui ne voulait pas y jeûner. Ensuite, il a été rendu obligatoire, c'était à Médine. Al-Hajj, l'obligation du Hajj. Az-Zakah, l'obligation de verser. Az-Zakah, l'aumône légale. C'était ici à Médine. Donc, au début, à la Mecque, c'était plus question de tawhid, d'unicité. Le travail était basé plus sur l'unicité, la croyance, parce qu'ils adoraient des statues. Donc, c'était d'ancrer vraiment une croyance ferme et forte, un amour intense envers Dieu. Pendant des années, pendant 10 ans, il n'y avait pas encore donné zakat, faites le hajj, faites le jeûne du ramadan, siyam, faites l'appel à la prière. Il n'y avait pas encore ça. Vous imaginez, parce que Allah, il a respecté les étapes. Il nous a rappelé qu'il faut respecter les étapes. D'abord, ancrer en eux la vraie croyance, le dogme pur. Adorer un Dieu unique, ni plus ni moins. Placer sa confiance qu'en un Dieu unique. Reconnaître que c'est Dieu qui octroie, c'est Dieu qui retient, c'est Dieu qui empêche, c'est Dieu qui fait tout. Ensuite, quand ils sont préparés,
et qu'ils ont été éduqués sur un bon comportement. Il y a eu la fraternité qui a été mise en place. Donc on voit ici le comportement. Voilà pourquoi les savants toujours mettaient en avance le bon comportement, la bonne éducation avant l'ilm, avant la science. Ensuite, Allah a légiféré eh bien, le jeûne, al-zakah, al-hajj, al-adhan, ila akhir. Et le prophète alayhi salatu wasalam est venu à Médine. Il faut savoir qu'il y avait des tribus qui n'étaient pas musulmanes, et entre autres des tribus qui étaient juives. Il y avait des juifs à Médine. C'était même un juif qui a vu le prophète alayhi salatu wasalam venir. Il a dit « Ma'ashara al-arab, oh vous les arabes, est venu Mohammed, l'homme que vous aimez, l'homme fort que vous aimez, l'homme que vous appréciez, l'homme... » Il n'y avait pas de problème, une bonne entente. Et le prophète alayhi salatu wasalam, eh bien, il a dit « On va mettre en place des arrangements, des accords, des pactes avec les juifs, les différentes tribus juives. Le fait de se respecter les uns les autres, le fait de ne pas se trahir les uns les autres, etc. » Donc le prophète alayhi salatu wasalam a mis en place plusieurs accords, des pactes avec les différentes tribus qu'il y avait à Médine. Et le prophète alayhi salatu wasalam, c'est à cette époque-là hein, qu'il a épousé et qu'il a consommé le mariage avec son épouse Aïcha, radiyallahu anha wa ardaha, qui fut la personne que le prophète a aimé le plus. Comme a fait Sahih, ils ont interrogé le prophète, ils ont dit à Rasulallah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il n'a pas dit Omar, il n'a pas dit Abu Bakr, il n'a pas dit Uthman, tout en sachant qu'un grand nombre de savants eh bien, estiment que la personne qui est la plus aimée et la meilleure personne auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, après les prophètes et les envoyés, c'est Abu Bakr. Ensuite Omar, ensuite Uthman, et ils divergent. Uthman ou Ali, ala kulli hal, Uthman et Ali pour une partie des savants. Et avec cela, le prophète, il n'a pas dit Abu Bakr. Je dis, c'est qui la personne que tu aimes le plus? Et il a dit, Aïcha, mon épouse. Ils ont dit, thumma man, ensuite même, son père, Abu Bakr, radiyallahu anhu wa arda. Et ensuite, ici, Omar. Alors, il faut savoir que quand le prophète, alayhi salatu wassalam, est arrivé à Médine, il a mis en place tout cela, il a stabilisé les choses. Il s'est passé des choses qui se sont compliquées. C'est-à-dire, les Quraysh qui étaient à la Mecque n'en sont pas restés là. Ils n'ont pas accepté que le prophète, alayhi salatu wassalam, avec les compagnons, ait fui la Mecque. Ils n'ont pas accepté cela. Pourtant, c'est ce qu'ils voulaient à la base. Ils voulaient qu'ils partent tout au début. Ils se sont dit, ils partent ou on les tue. Ou... Donc ils sont partis. Les premiers exilés sont partis où? À l'époque du prophète, quand ils étaient à la Mecque? En Abyssinie, Ardul Habasha, avec le roi abyssin qui était chrétien, qui a embrassé l'islam, car le prophète Kama fi Sahih a dit, j'ai vu le roi le Négus au paradis. Ou le Négus est au paradis. Le prophète l'a affirmé. Il ne parle pas poussé par sa passion, c'est une révélation. Émanant de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Une première fois, une deuxième fois, le prophète est parti, Abu Bakr est parti, et les musulmans sont partis. Ils savaient très bien qu'ils portaient en eux un message qui n'allait pas s'éteindre. Et ça, c'était la preuve qu'ils n'en voulaient pas après eux en tant que personne, mais envers ce qu'ils portaient comme vérité l'islam. Ils se sont dit, non, c'est un problème. Pourtant, ils étaient persécutés. Vous imaginez, 10 années, ils n'ont pas quelque part rebiffé. Ils n'ont pas dit, ouais, bah, on va se défendre. Ils ont supporté, subi des oppressions, des injustices. Stop. Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, voulait verser le sang? Ce prophète qui, maintenant, certains ignorants disent que c'était un personnage qui aimait la guerre, toute sa vie n'était que guerre et qui voulait la guerre. 10 années, l'ange Gabriel, et nous, on a cette croyance en tant que musulmans que l'ange Gabriel, eh bien, parlait avec le prophète. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vécu al-Isra wa al-Mi'raj. Allah lui a révélé, lui a ordonné de dire à sa communauté de prier 5 fois par jour alors qu'il était dans un endroit qui était au-dessus des 7 cieux. Allah lui a révélé directement au prophète alayhi salatu wassalam. Il avait le soutien de l'ange Gabriel, de Mikaïl, d'Allah azzawajal, 10 années. Il n'a pas dit je vais me défendre ou là parler de guerre ou parler. Il voulait simplement immigrer, faire l'égir pour vivre tranquillement sa religion. Et avec cela, il prenait sur lui pendant 10 ans. Pendant 10 années, c'est pas que pendant 10 années. Il s'est prosterné, pendant qu'il s'est prosterné, kama ja'a fi sahih,
ils ont versé sur lui des boyaux, des intestins, des déchets. Sa fille Fatima radiallahu anha wa ardaha, elle les repoussait, imaginez-vous sa fille, et elle tirait les boyaux et les choses qu'ils avaient mis sur son dos afin de l'humilier. Avec cela, il a patienté. Quand il a été à Taif, l'ange est venu et il lui a dit, « Ya Rasulallah, au messager d'Allah, donne l'ordre et je vais prendre les deux montagnes et je vais les écraser. Tout le peuple va être écrasé. » Et le prophète alayhi salatu wasalam a dit, « Je n'ai pas été envoyé comme maudisseur, mais j'ai été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Et j'espère que de leur descendance, eh bien, viennent des gens qui adoreront Allah sans rien lui associer. » Ça, c'est un homme qui voulait la guerre. Alors, on a résumé avec, oui, mais il n'y a que des batailles dans la vie du prophète. On a parlé encore de batailles, là ? Pas de bataille encore. C'était pas le but de verser le sang. Ça n'a jamais été le but du prophète, alayhi salatu wasalam. C'était, ici, il avait ses convictions. Eh bien, c'était de transmettre la religion comme Dieu lui a ordonné dans le Coran. « Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan » et appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation et parle avec eux de la meilleure des manières. Après, dans toutes les religions, dans l'histoire de toutes les religions, mais là, il faut contextualiser les choses. Eh bien, quand on revient dans l'histoire du christianisme, du judaïsme, de l'islam, il y a eu des combats, il y a eu des guerres. Est-ce que ça fait de cette religion, de ces religions, des religions guerrières qui veulent absolument faire la guerre à tout le monde ? Non. On revient même dans l'hymne national française. Eh bien, on va entendre des paroles qui renvoient quelque part à une situation de guerre. Allons, enfants de la patrie, aux armes citoyens, que vos sillons, que le sang abreuve leur. C'est des paroles guerrières ou pas, quelque part ? Est-ce qu'on va dire que le peuple français, c'est un peuple qui veut verser le sang et tuer tout le monde et... Vous comprenez que ça ne veut pas dire, parce que le prophète alayhi salatu wasalam, a été amené à combattre, à faire le djihad, qui veut dire combat aussi. Et effort, eh bien que c'est une religion de guerre qui veut absolument verser le sang. Et il faut revenir vers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, ici, ils se sont mis à comploter encore. Ils ne se sont pas arrêtés dans les complots ou au complot qu'ils avaient mis en place quand le prophète était à Médine. Ils ont dit, on va continuer à comploter. Et ils ont envoyé des lettres, des messages à des personnes qui étaient à Médine. Ils se sont dit, bon, maintenant, on va essayer de le déstabiliser de l'intérieur. C'est le but. Quand on n'arrive pas à te déstabiliser de l'extérieur, on va tout faire pour te déstabiliser de l'intérieur. Farriq tasoud. Diviser pour mieux régner. Donc, les Quraysh ont envoyé une lettre à Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il était dans les rangs des musulmans. Et lui, à la base, il voulait être le responsable, le chef de Médine. Et souvent, quand tu vas empêcher une personne d'atteindre son objectif, eh bien, il fera tout pour te faire la peau. C'est à cause de lui que je n'ai pas atteint mon objectif, je vais m'occuper de lui. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il s'est dit, c'est bon, ça va être moi le chef de Médine. Il voit le prophète, alayhi salatu wasalam, arriver, la stratégie, les pactes, les accords avec les différentes tribus, tout se passe bien. Il n'a pas supporté. Alors eux, ils savaient qu'il y avait des personnes qui étaient mauvaises, parce que les mauvais, de toute manière, ils sont toujours visibles. Et même tes ennemis, si tu es amené à avoir des ennemis, eh bien, ils reconnaîtront que telle personne qui prétend être avec toi est bon ou mauvais. Le mauvais, Allah Azza wa Jalla le rend toujours visible. Donc ils savaient qu'il y avait des gens mauvais avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi eux, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, qui est devenu la tête des hypocrites. Ils lui ont adressé, ils ont adressé des courriers, ils sont passés par Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, ils ont adressé aussi des courriers aux Aous et aux Khazraj, qui étaient des tribus à Médine, et ils leur ont dit, vous avez donné refuge à Mohammed, alors soit vous allez le combattre, que ce soit toi, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, avec tes proches, les Aous, les Khazraj, soit vous allez le combattre, ou soit on va vous combattre. Un des deux. Donc on va déstabiliser de l'intérieur. Alors qu'il y avait des accords qui avaient été faits. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, fut informé de cela. Parce que le prophète avait des espions aussi. Ils avaient des espions, ils avaient des émissaires, il avait des ministres, il avait des... Donc il a su qu'il y avait ces courriers qui étaient en train de passer ces messages et qui commençaient à vouloir déstabiliser de l'intérieur. Alayhi salatu wassalam. Et ça nous rappelle que,
quand tu es sincère envers Allah tabaraka wa ta'ala et tu places ta confiance en Allah jalla wa ala et tu obéis à ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, in tansurullah yansurkum. Si vous soutenez la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah va vous soutenir, Allah jalla wa ala t'informera d'une manière ou une autre du complot des gens qui veulent te faire du mal. Souvent ça se passe comme ça. Allah te mettra à disposition des gens qui t'informeront. Tiens, un tel est jaloux contre toi, il veut te faire tel mal, ou tu l'apprendras d'une manière ou d'une autre. Et ça arrive souvent, ça. وَهَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى. C'est une grâce d'Allah, Azza wa Jal. Et le prophète fut informé de cela. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a dit? Il voulait la guerre, le prophète? Il a dit, ah d'accord, vous voulez jouer à ça? Nous maintenant, on est fort, on est à Médine, on commence à se renformer, c'est la guerre. Précipitation. Regardez-nous déjà, quelqu'un nous cause un petit tort. Première des choses, même si on ne se venge pas directement, on dit qu'est-ce que j'aimerais bien qu'il lui arrive un malheur. Quand lui arrive un malheur, qu'est-ce qu'on dit? Chah, on est content. Illa man rahim Allah. Là, ce n'est pas des contes qu'on raconte. Il faut se téléporter. D'accord? Psychologiquement, moralement, avec notre âme, avec notre esprit, avec notre cœur. Mets-toi à sa place. Hey, tu sors de 10 ans de persécution. Tu arrives enfin à Médine. Déjà, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir de sacrées épaules pour endosser cela. Regardez-nous, peut-être dans un an, on a une petite épreuve, on est choqué à vie. 10 années, des morts, des persécutions, des humiliations. Il vient à Médine, le physique, le moral en béton que tu dois avoir. Les personnes les plus proches et qu'il aimait énormément sont mortes. L'année de quoi? Amou Al-Huzn. L'année de la tristesse, son soutien Abu Talib, sa femme Khadija, son... Avec tout cela, ils veulent encore le déstabiliser de l'intérieur. À la fin, tu dis, bah, stop, j'arrive. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mais c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. C'est pas n'importe qui. Et donc, après cela, le prophète, alayhi salatu wassalam, s'est adressé à eux. Et regardez la stratégie, et regardez la diplomatie du prophète, alayhi salatu wassalam. C'était un diplomate, le prophète, alayhi salatu wassalam. Et il dit, si vous souhaitez nous tuer, sachez que vous allez combattre vos enfants et vos frères. Il dit, là, dedans, avec nous, il y a vos enfants. Il y a des gens qui se sont convertis à l'islam ou pas? Oui. Mais par contre, ça ne les dérangeait pas parce qu'ils vivaient en harmonie. Bref, hein, mon fils, il veut croire en lui. Khalas. Il y avait des juifs qui étaient à Médine. Il y avait des gens parmi leurs enfants, des familles juives, qui embrassaient l'islam. Ça posait aucun problème, comme dans le récit authentique où le prophète alayhi salatu wassalam avait l'habitude de visiter son voisin juif. Et un jour, il était malade, c'était un jeune, il y avait le père qui était présent, et il était très malade. Et le prophète alayhi salatu wassalam, avec sagesse, en le visitant plusieurs fois, il lui a recommandé d'embrasser l'islam. Et l'enfant s'est tourné vers son père, il a regardé le prophète, et il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka Muhammadan Rasulullah ». Vous pensez que si le prophète alayhi salatu wassalam avait un mauvais comportement, le père de l'enfant aurait accepté? Il aurait dit « Mais qu'est-ce que tu fais à mon fils? Nous, vous, déjà qu'est-ce que tu fais chez moi? Un musulman avec ta nouvelle religion ?» Il y avait une très bonne entente. Le prophète alayhi salatu wassalam avait gagné les cœurs. Il avait gagné les cœurs. Et il avait ouvert les poitrines de par sa miséricorde avant de faire... l'ouverture des villes ou alors prendre une ville ou alors ou je ne sais quoi. C'était avec sagesse, avec miséricorde, avec clémence, avec diplomatie. Il a dit, vous allez combattre vos enfants, vos frères. Vous voulez quoi? Entre guillemets, on va tous être perdants. Vous savez qu'on va se défendre, vous allez tuer peut-être vos enfants, vos frères avec qui vous vivez bien, etc. Et ils envoyèrent encore une nouvelle menace. Le prophète, il a réussi quand même à garder cette stabilisation là-bas à Médine. Et là, ça a été une année très difficile car le mal commençait à venir de l'intérieur. Et quand la pression a commencé à se faire, et que le prophète Ali Afdalus Salat wa Taslim a vu qu'il ne pouvait plus garder, parce que vous savez très bien, quand la fitna, les troubles s'allument, qui va l'éteindre si ce n'est Allah Azza wa Jal? Une fitna quand elle s'allume, une vraie fitna, des vrais troubles, personne ne peut l'éteindre à part Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne peux pas. C'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam, il a tout fait avant que cette fitna s'allume. Quand il a vu que ça allait s'allumer
et qu'il a patienté pendant 10 ans de persécution et qu'il a tout fait et qu'il a essayé de stabiliser et empêcher la guerre et ceci et cela et que ça et ça allait exploser de l'intérieur et qu'on allait l'attaquer, déstabiliser et le tuer. À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a révélé au prophète alayhi salatu wa salam qu'il avait l'autorisation de combattre pour se défendre. Et Allah jalla wa ala dit dans le Coran « Udhina lilladhina yuqatiluna bi annahum zulimu » Regardez Allah ce qu'il dit. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre parce que vraiment ils sont opprimés, ils sont lésés. Vous imaginez, regardez l'usloub, le style dans le Coran al-Karim, wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, et Allah azza wa jalla est capable de les secourir. Ibn Abbas radiyallahu anhu an abi, exégèse du Coran, tarjuman al-Coran, a dit ce verset coranique est le premier verset révélé concernant le combat, al-jihad. Et c'était un verset qui concerne quoi? La défense. Il faut contextualiser les choses. À l'époque du prophète, quand il a été persécuté et on allait le tuer, et lui, il a tout fait pour éviter, il s'est défendu. C'était quelque chose qui était naturel et qui a existé dans toutes les religions. Avec cela, Allah tabaraka wa ta'ala leur a rappelé des règles. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam a dit, même quand on se défend, il est interdit de tuer des femmes, il est interdit de tuer des enfants, il est interdit de tuer des innocents, il est interdit même de couper des arbres. Même de couper des arbres. C'est quoi, quelqu'un, tu lui dis ça aujourd'hui, dit, enfin, on parle de guerre, il y a le sang qui va couler, il nous parle d'arbres. Un arbre, c'est quoi? C'est même de couper des arbres. Regarde l'importance que le prophète, alayhi salatu wasalam, l'islam, a donné à l'environnement en période de guerre. On nous parle d'environnement, c'est une réalité ou pas? L'importance de l'environnement dans l'islam est primordiale. Parce que même en période de guerre, eh bien, l'islam t'a dit attention à l'environnement. Un arbre, quelque part, il est vivant. Un arbre, quelque part, il vit. Donc, on a ce respect vis-à-vis de... Il t'a fait quoi, l'arbre? Rien. Il est innocent. Laisse-le. C'est important. Dieu n'a pas créé les arbres pour rien. Il a créé les arbres, la faune, la flore, pour des raisons bien définies, spécifiques. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam a reçu des recommandations et des règles à respecter. Entre autres, ce que je viens de vous citer, et aussi des versets coraniques. Allah jalla wa ala a dit dans le Coran, « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا » Et combattez, « وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ » Et combattez ceux qui vont combattre. Regardez, alors on est à l'époque du prophète toujours, 14 siècles en arrière, il a vécu tout ce qu'il a vécu, 10 années de persécution, il ne voulait pas humilier, on l'a torturé, on a tué des gens. Avec cela, non, toujours pas le moment, vous ne défendez pas. Quand il s'est défendu, wala ta'tadou, ne transgressez pas, attention, ne va pas déborder à faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Et le prophète alayhi salatu wassalam a commencé à envoyer des expéditions. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il envoyait des expéditions, on appelle, ou ce qui concerne les expéditions, c'était soit, on dit soit une razwa, d'accord, ou bien soit as-saraya. As-saraya, c'est, al-razwa et as-saraya, c'est une expédition. Mais on disait as-saraya, c'est quand le prophète, alayhi salatu wassalam, n'était pas présent. C'est une expédition où le prophète n'est pas présent. Et al-razwa, c'est une expédition alors que le prophète alayhi salatu wasalam était présent. Alors pendant les 2 premières années, le prophète alayhi salatu wasalam, quand il était à Médine, il a envoyé des expéditions partout. C'est-à-dire des gens qui allaient essayer de trouver, signer des pactes, des accords avec les différentes tribus dans les villes avoisinantes, aller scruter un peu qu'est-ce qui se passait dans les villes, voir ce qui se passait, ce qui se disait. Et le prophète alayhi salatu wasalam, pour un peu voir... comment prendre la température dans les villes avoisinantes et les endroits qui étaient avoisinants de Médine. Et ce qu'il a fait, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il s'est dit un jour, alors qu'ils nous ont persécutés, alors qu'ils nous ont fait du mal, on va récupérer une part des richesses qui nous ont été volées. Parce qu'ils ont boycotté les musulmans pendant des années à la Mecque. On va récupérer une partie de ce qui nous est dû. Et on va affaiblir l'économie de ceux qui veulent nous attaquer. Le prophète voulait la guerre encore. Il dit, pour éviter la guerre aussi, on va affaiblir leur économie. Le but, c'est d'éviter la confrontation. Il a tout fait.
ça ne marche pas de façon diplomatique, en patientant, ils veulent toujours notre peau, on va... Et si là, on ne se défend pas, eh ben, elle existe quand, la légitime défense? Et on va faire quoi? Bah, leur économie. Ils ont envoyé une caravane, d'accord, Abou Soufiane, qui est à la Mecque, il a envoyé une caravane, et les musulmans ont su qu'il y avait une caravane, donc avec des richesses, etc., pour le commerce, qui avait été envoyée par Abou Soufiane. Et ils se sont dit, bah, on va intercepter cette caravane, on va récupérer des biens qui nous appartiennent et on va affaiblir leur économie. Le problème, c'est qu'Abou Soufiane avait pris connaissance de ce que voulaient faire les musulmans. Parce qu'il y a toujours des espions, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il s'est dit? Ah, ils veulent faire cela. Bah, nous, on va aller, mais avec une sacrée armée. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, quand il est parti avec un groupe, ce n'était pas pour déclarer la guerre ou ils n'étaient pas prêts à faire la guerre. Ils ne sont pas sortis avec des milliers de compagnons, contrairement à Abou Soufiane. Ils se disent, ah, ils veulent intercepter la caravane, ben, nous on va là avec une grosse armée. Mais les compagnons, ils n'étaient pas prêts à faire la guerre. Donc ils sont partis avec un petit groupe de musulmans. Et quand ils se sont rendus à cet endroit-là, eh bien, Abou Soufiane a réussi à préserver la caravane et les musulmans ont su qu'Abou Soufiane avait mis en place une stratégie. Et ils ont laissé la caravane et Abou Soufiane, il a voulu faire demi-tour. Mais les gens ont dit, on ne s'arrête pas là. On est parti. On a préservé la caravane, on ne s'arrête pas là. Maintenant, on va les combattre. Je dis, comment ça, on va les combattre? Il dit, maintenant, on va les attaquer. C'est, on a préservé la caravane, on ne s'arrête pas là. On est avec l'armée, on va aller et on va les combattre. Le prophète, alayhi salatu wasalam, les compagnons, ils n'étaient pas prêts. Donc là, le prophète s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est tourné vers les Ansar. Il s'est tourné vers Al-Muhajiroun. Il s'est tourné vers les gens avec lui. Ils ont dit, bon là, je vous demande conseil. Le prophète lui-même demande conseil aux compagnons. On fait quoi maintenant? Tout le monde a besoin de conseil. Ad-din al-nasiha. La religion, c'est le conseil. Quelqu'un ne peut pas évoluer. Quelqu'un ne peut pas progresser dans sa vie. Quelqu'un ne peut pas envisager de faire des projets mondains ou autres sans qu'il demande conseil. Sinon, il va faillir. Il ne réussira pas. On a besoin des conseils, des gens qui ont un regard extérieur, de gens expérimentés, de gens qui ont de la science, de la clairvoyance, de l'expérience, etc. Le prophète lui-même demande des conseils. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre avis? Alors il y a un groupe, il y a un grand groupe des compagnons qui ont dit, ici, nous, on est avec toi, ya Rasulallah. Et on va aller avec toi et on continue. Donc nous, on te recommande de faire front et d'aller de l'avant et on va ici se défendre, alors que d'autres étaient plus pour ici éviter l'affrontement, car ça allait être une bataille très très difficile. C'était la grande bataille de Badr, la première bataille qu'il y a eu en islam entre le prophète alayhi salatu wasalam et les compagnons et ou contre ici les Quraysh de la Mecque. Et cela on le verra inshallah ta'ala lors du prochain cours. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.